Just before introducing the next witness, a very quick observation, because I don't think it's going to be covered by the witnesses. But again, if you read the first Russell Tribunal report alongside BDS action, one of the other recommendations related to groups taking civil litigation against companies responsible for colluding and collaborating with aspects of what is going on, the building of the wall, the building of the railway, the provision of transport. And in the UK, it is a security company that's helped with the building of posts on the wall, prisons, prison accessories, and prison regimes. So that's another consideration. May I, however, welcome Gianfranco Fattorini, and he's going to talk about the Human Rights Council. Because of his experience, he's got wide experience as a journalist, but he's also got experience of that body. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le tribunal Russell pour l'honneur qui m'est fait de témoigner ici aujourd'hui devant vous. Depuis 17 ans, je suis représentant aux Nations Unies du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, un mouvement qui est issu du mouvement national contre le racisme, qui avait été créé en France sous l'occupation nazie, et dont la composante principale était l'union des Juifs pour la résistance et l'entraide. Le mouvement a été ensuite créé en 1949, par un groupe de rescapés, de résistants affiliés au Parti communiste, d'intellectuels, donc parmi lesquels le plus connu probablement est le peintre Chagall. Et il a été créé sous le nom de Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Ce n'est qu'au milieu des années 70 que le président de l'époque a proposé, tenant compte des changements fondamentaux au sein de la société française comme de l'environnement international, de changer le nom, de garder le même acronyme, mais de changer le nom en mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Le MRAP donc a acquis le statut consultatif ECOSOC aux Nations Unies en 1974. Et cette même année, l'OLP a été admise comme observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette petite introduction, c'est pour dire combien la question d'Israël et celle du peuple palestinien, qui sont intimement liées, sont au cœur des préoccupations du MRAP. C'est pour dire aussi que nous n'acceptons aucunement des accusations d'antisémitisme, que ce soit à l'envers du mouvement lui-même, de ses représentants, de sa direction. Critiquer la politique de l'État d'Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme. Maintenant, la question de la Palestine au Conseil des droits de l'homme, au Conseil et avant à la Commission. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'ancienne commission, l'actuel conseil, ce sont deux organes des Nations Unies. Donc, ce n'est pas un groupement de défenseurs de droits de l'homme, d'activistes. Ce sont des organes composés par les États. Et donc, les travaux de ces organes reflètent également les équilibres internationaux. Donc, parler de la Palestine au Conseil, on ne peut pas en parler sans jeter un coup d'œil au passé et donc à l'énorme travail qui a été fait par la Commission des droits de l'homme, qui a été, à notre avis, mis, si pas à la poubelle, dans un tiroir, un peu trop rapidement. D'abord, le travail normatif énorme, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et par rapport à la question palestinienne,
Je citerai uniquement le droit à la vie et à la liberté, article 3, l'interdiction à l'exil forcé, article 9, l'interdiction à l'arrestation arbitraire, à la torture, article 9 et 5, le droit à une nationalité, article 15, le droit à la propriété, article 17, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, article 19. Maintenant, la question de la Palestine elle-même a été abordée la première fois suite à la guerre des Six Jours, en 68. Et c'est à cette occasion que la Commission a adopté sa première résolution sur la question. Adoption unanime. C'est-à-dire que c'est la seule résolution sur la question palestinienne que les États-Unis aussi ont votée. Elle affirmait, à l'époque, elle était très courte, mais elle affirmait le droit au retour immédiat de tous les habitants partis depuis le déclenchement des hostilités. Il faut remarquer que Israël, à l'époque, était membre de la Commission, mais il n'a pas pris parti au vote. L'année suivante, la Commission a traité à nouveau de la question et a déploré évidemment les violations des droits de l'homme, la destruction des foyers, les expulsions, déportations et le recours à la violence. Elle a également, la Commission, dénoncé les violations de la 4e Convention de Genève. On est donc en 1969. Et à ce moment-là, la Commission a décidé d'inscrire la question des droits de l'homme dans les territoires occupés en tant que point distinct de l'ordre du jour de la Commission. Et donc c'est la deuxième fois que la Commission a traité du sujet, et là la Commission se divise. Il y a 13 votes pour, 16 abstentions, tout le bloc occidental, y compris les États-Unis, et un vote contre, Israël. L'année suivante, en 1970, la Commission a décidé de l'établissement d'un groupe de travail qui présente son rapport, donc, et qui dénonce à nouveau les violations de la 4e Convention, les expulsions, les établissements des colonies, la prise illégale de pouvoir, y compris dans les territoires, y compris judiciaires. Et à partir de ce moment-là, on voit la mise en place du langage du gouvernement israélien qui veut se poser en victime. Victime sur le terrain, c'est-à-dire tout ce qui est fait, c'est pour protéger la population israélienne, c'est parce qu'il y a un danger, et victime sur la scène internationale. Pourquoi s'occuper principalement de notre cas ? On ne peut pas considérer le travail de la Commission sans considérer, et d'autres intervenants, d'autres témoins ont largement parlé également, des autres organes des Nations Unies qui traitent de la question, l'Assemblée Générale, le Comité Spécial, qui a été créé, lui, en 1968 et est chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la population des territoires occupés. Les rapports du comité spécial ont souligné la continuité de la politique d'annexion de fait. La confiscation des biens, l'expulsion des Palestiniens, le transfert d'Israéliens, le développement des colonies. Le comité a également pointé du doigt les violations graves et persistantes de la 4e Convention de Genève. En 1974, l'Assemblée générale aussi inscrit la question de la Palestine en tant que point distinct à son ordre du jour. L'année suivante, l'Assemblée générale crée le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Les recommandations de ce comité, présentées en 76, l'année suivante, étaient divisées en deux parties. Une partie concernant les droits au retour et la restitution des biens, et une deuxième partie concernant le droit à l'autodétermination, à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Tout au long des années 70-80, la Commission des droits de l'homme continue de relever les violations des droits de l'homme.
le dépeuplement, expulsion, déportation, confiscation des terres, développement des colonies, ingérence dans le système judiciaire, dans le système éducatif, restriction à la liberté de mouvement, liberté de travail, arrestation arbitraire, torture. Et la Commission invite les États parties à la 4e convention à la faire respecter. La Commission considère également les graves violations de la 4e convention comme des crimes de guerre. Elle déclare que toutes les mesures prises par Israël pour modifier la structure, le statut, la composition démographique des territoires occupés sont nulles et non avenues. On arrive en 1993, première intifada. La Commission des droits de l'homme affirme le droit du peuple palestinien de résister à l'occupation militaire dans le cadre des normes du droit international. Et elle décide de nommer un rapporteur spécial avec le mandat d'enquêter sur la violation des droits de l'homme. Depuis lors, 5 personnes se sont succédées à ce poste, avec une fortune inégale dans leur relation avec Israël. Mais de toute façon, l'État d'Israël a constamment nié en bloc toutes les allégations en assumant à nouveau et toujours le rôle de la victime. En 2000, c'est la deuxième intifada, la Commission tient une session spéciale et c'est la seule sur la question palestinienne que la Commission aura tenue pour examiner les violations graves et massives des droits de l'homme des Palestiniens commises par la puissance occupante israélienne. Elle décide de l'établissement d'une commission d'enquête et elle demande à la haut-commissaire de se rendre dans les territoires occupés. Donc en l'an 2000, c'est la première visite du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies dans les territoires occupés. Il s'agissait à l'époque de Madame Mary Robinson. Donc, après 20 années et une quarantaine de rapports établis par les rapporteurs spéciaux, soit à la Commission, soit à l'Assemblée générale, les différents rapporteurs spéciaux ont mis en lumière les violations graves et persistantes des droits civils et politiques et économiques, sociaux et culturels du peuple palestinien. La Commission des droits de l'homme a constamment condamné également l'usage excessif de la force et les violations des dispositions de la 4e Convention de Genève. On arrive à 2006, la transition de la Commission au Conseil, dans le cadre de la réforme imaginée par le secrétaire général de l'époque, Kofi Annan, et qui se fait dans la période du gouvernement Bush aux États-Unis. Le 15 mars 2006, donc l'Assemblée générale adopte la résolution qui porte création du Conseil des droits de l'homme. 170 pays votent en faveur, 4 contre. Les États-Unis, Israël, les îles Marshall et les îles Palau. 3 pays s'abstiennent. La création du Conseil a pris plus de 2 ans de négociations, soit à Genève, soit à New York. Une des actions continuelles du gouvernement américain à l'époque de la négociation était le soutien à Israël pour que le point distinct à l'ordre du jour soit enlevé, il disparaisse. Mais ils n'ont pas eu de succès puisqu'il a été maintenu. Donc le Conseil a eu à traiter et traite toujours à chacune de ses sessions, et à la différence de la Commission des droits de l'homme qui se réunissait une fois par année, le Conseil se réunit 3 fois par année. Donc à chacune des sessions du Conseil, on traite de la question de la violation des droits de l'homme dans les territoires occupés. Les rapporteurs présentent toujours leur rapport. Et on a vu apparaître des attaques personnelles aux rapporteurs eux-mêmes. Ça a été le cas pour M. Jean Sigler. C'était le cas plus récemment pour Richard Falk.
aucun des États n'a pris leur défense, bien que, dans d'autres occasions, notamment les pays occidentaux, les États-Unis en particulier, tiennent à défendre l'indépendance des rapporteurs. Le Conseil a une liberté plus grande par rapport à la Commission de convoquer des sessions spéciales. Et en effet, au début, les premières années, 5 sessions spéciales ont été convoquées sur la question de la Palestine, dont, en janvier 2009, celle qui a suivi l'opération Plomb durci. Le Conseil demande à la communauté internationale, à la haut-commissaire et à plusieurs rapporteurs spéciaux de porter leur attention sur la situation et décide de l'envoi d'une mission internationale indépendante de l'établissement des faits, qui rédigera un rapport connu sous le nom de rapport Goldstone. En octobre 2009, le Conseil demande la mise en œuvre des recommandations faites par la mission. Ce qu'il faut savoir, ça a été déjà dit, c'est qu'en 2009, avec la nouvelle administration, les États-Unis sont devenus membres du Conseil. Et à leur première participation, une des activités principales a été de faire pression pour que le rapport ne soit pas adopté. Et ce n'est que suite à la pression de la société civile, en particulier palestinienne, qu'une session spéciale a été convoquée 2 semaines après la clôture de la session régulière du mois de septembre 2009. Alors, comme on me dit que le temps passe plus vite que je le pensais, je rappellerai, comme ça a été déjà fait, mais c'est important de le rappeler, que différents comités, il y a le comité pour les droits des enfants, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, et celui-ci en particulier, dernièrement, cette année, justement, a invité l'État d'Israël à cesser toute activité, toute politique, à abroger toute loi qui relève de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Alors, quel est le rôle des États-Unis ? Il est important au Conseil. Je l'ai dit, entre 2006 et 2009, l'administration Bush, prise par sa guerre contre le terrorisme, n'a pas voulu participer. En fait, dans les négociations, il souhaitait un organe aussi pratiquement restreint que le Conseil de sécurité, éventuellement avec les mêmes droits, donc le droit de veto, qu'au Conseil de sécurité, et que les membres doivent répondre au plus... Le fait que les membres du Conseil doivent répondre aux plus hauts critères en termes de droits de l'homme, et compte tenu du fait des aventures en Irak, en Afghanistan et ailleurs, l'administration Bush a décidé de ne pas participer. C'est en 2009, avec l'arrivée d'Obama, que Hillary Clinton présente devant les chambres, donc le Sénat, la Chambre des représentants, la nouvelle doctrine de la politique étrangère des États-Unis, la doctrine du Smart Power. Smart Power, c'est une combinaison du Hard Power proposé par le Pentagone et le Soft Power, on dit proposé par Howard, l'université de Howard, donc, qui préconise le contact avec les autres peuples par la culture. Donc c'est un mélange des deux. Le concept, en fait, a été présenté en 2004 dans la revue Foreign Policy et il a pour fondement l'internationalisme libéral. Le Smart Power se veut en rupture avec l'unilatéralisme agressif de l'administration républicaine par l'utilisation de différents outils diplomatiques, économiques, militaires, politiques, légaux. On met l'accent sur le droit des peuples à l'autodétermination, sur le respect des droits de l'homme. En réalité, l'auteur du concept du Smart Power préconise le partage des tâches et dit « Le Smart Power signifie que l'engagement des États-Unis n'est pas toujours la meilleure méthode.
les intérêts des États-Unis sont mieux défendus en impliquant d'autres forces au service des objectifs des États-Unis. Le but donc n'est pas de participer au sein du Conseil des droits de l'homme à la réalisation des objectifs des Nations Unies, la paix, la sécurité, le développement économique et social et le respect des droits de l'homme. Le but demeure d'assurer la suprématie des États-Unis, in a smart way. Je saute alors. Je voudrais juste rappeler aussi que le directeur adjoint de la revue Foreign Policy a lui aussi, lors d'une audition devant le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants, au printemps 2011, afin de promulguer le renouvellement du mandat des États-Unis au sein du Conseil des droits de l'homme, présenter son point de vue intitulé « US must stay on the Human Rights Council ». Son analyse du rôle des États-Unis au Conseil, en critiquant la politique de Bush, disait, et je cite en anglais, Israel was left without a traditional ally as it faced five special sessions while the U.S. I wonder if we could just use that. I'm sorry to interrupt, but we're worried about time, I'm afraid. Yeah, I'm finished. Je suis désolé. Deux minutes et je vous. Mais je crois que c'est important pour comprendre la politique des États-Unis au sein du Conseil. So Israel was left without a traditional ally as it faced five special sessions while the U.S. was absent. Since the U.S. joined the Council in June 2009, Israel has been the subject of only one special session. Reducing the disproportionate focus on Israel is just one example of the impact of that constructive U.S. engagement has had in turning things around. Et ce, oubliant les interventions des États-Unis dans d'autres pays. Plus tard, plus loin, il affirme, the Human Rights Council has a structural basis against Israel by having an open-ended item on its agenda on Israel's occupation of Palestine. The U.S. worked hard to defend Israel against such base. Et c'est là ce qu'on appelle ici une colombe qui parle. Que sera le jour où les faucons reviendront au pouvoir? Cette année, lors des deux dernières sessions du Conseil, aucune résolution n'a été prise sur la question palestinienne. À la fin du mois de mars, c'est-à-dire quelques semaines après les observations finales du Comité contre le racisme, la semaine suivante, l'adoption de la dernière résolution du Conseil qui a décidé de l'établissement d'une nouvelle mission d'enquête sur les colonies israéliennes et l'impact sur les populations palestiniennes, Israël a annoncé publiquement sa rupture des relations avec le Conseil des droits de l'homme et avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Actuellement, Israël négocie son retour au Conseil. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ce qui est négocié est le point à l'ordre du jour sur la question des territoires occupés? Est-ce que c'est la mise à la poubelle du rapport d'établissement des faits de 2009, appelé Goldstone Report? Est-ce que c'est l'annulation de la dernière résolution? À notre avis, aucun État ne peut négocier sa participation aux organes des Nations Unies. Soit on est membre des Nations Unies, soit on ne l'est pas. Soit on participe à la réalisation des buts de la Charte des Nations Unies, soit on le quitte. Mais la position actuelle d'Israël, à notre avis, appelle tout simplement au retrait de son droit de vote à l'Assemblée générale. En fait, pour conclure, la vraie question qu'il faudrait poser à l'administration américaine, c'est de lire tous les rapports des rapporteurs spéciaux
en remplaçant dans tous les rapports, à chaque ligne, le mot Israël ou force armée israélienne par Palestine ou armée palestinienne, et de changer les territoires occupés de Palestine par territoires occupés israéliens. Et ensuite, on verra quelle sera l'attitude de l'administration américaine. Je vous remercie. Well, I'm going to ask just one quick question, but... Yeah, that's good. Put it up in. Headphones are in. Yeah. Okay, we'll try again. The question is this. The question is this. Given Israel's attitude and blatant disregard, consistent disregard of the United Nations as General Assembly, Security Council, the HRC and its subsidiary bodies, given also the US's power of veto, its blocking mechanisms on the Human Rights Council, the question we're posing in this session is, what's the way forward? Well, tout d'abord, il n'y a pas de mécanisme de blocage au sein, heureusement, au sein du Conseil des droits de l'homme. C'est-à-dire que le plus souvent, les États-Unis demandent le vote. Très souvent, ils sont seuls à voter contre. Le bloc occidental, c'est-à-dire l'Europe, d'autres pays, souvent s'abstiennent. Mais il n'y a pas de blocage à la décision. Maintenant, la grosse question, oui, c'est comment aller au-delà? Comment faire respecter le droit international? Un élément, c'est évidemment terminer la réforme des Nations Unies. Et effectivement, réformer également le Conseil de sécurité. Une autre question, par rapport, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, par rapport au commissariat aux droits de l'homme, il faut savoir que le commissariat des droits de l'homme, le budget qui est alloué par l'Assemblée générale au commissariat aux droits de l'homme, représente 2% du budget total des Nations Unies. Et il ne couvre qu'un tiers, environ, du budget régulier. Ça veut dire les deux tiers. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies est en quelque sorte une grosse ONG qui chaque année doit aller chercher de l'argent pour accomplir sa mission. Donc il y a déjà à la base une nécessité de changement de décision, comme au niveau gouvernemental, hein, souvent, dans l'allocation du budget. Mais l'autre grande question, c'est que, effectivement, on dit souvent les États-Unis posent le veto, les États-Unis, maintenant à l'UNESCO, vont arrêter leur versement. Donc l'UNESCO, on sait déjà, ils sont déjà en train de couper. Au commissariat de droits de l'homme, on a déjà demandé au directeur de département pour l'année prochaine de faire des propositions sur quel poste couper. Mais la question de fond, c'est peut-être qu'il faut changer également la répartition des contributions aux Nations Unies. Aussi longtemps qu'on laisse une partie aussi importante du budget à un seul État, il est trop facile pour cet État d'imposer sa volonté. Thank you. Merci. Stefan Hessel, please. Let me pause. I'll take English because I think it is more heard, although Mr. Franchini has been very good at speaking my language. I would say this. Do we have a chance of some progress even this year? I would say yes, and I will explain why. First of all, let me recall that
the one who adopted the charter, Franklin Roosevelt, put the human rights as the very first objective of the New World Organization, even before war and peace. And that's very important. And for years, you could have a support of the work for human rights done by the United Nations from the United States. But for the past 15 years, this has completely changed. The last time I was member of the Commission on Human Rights, that was in 1993. At that time, we had President Carter, I think it was, and there was still great support. That has diminished. And we have to put our emphasis on the Federation, the U.S. Federation for the United Nations, which has a role to play, to say that the way the United Nations is not supporting human rights and trying to restrict the work of the Council, pretending that the Council is not fair, that it is not does not have a majority of real democratic countries, it's all pure nonsense. And the Council on Human Rights has a possibility to work with a High Commissioner coming from South Africa, a brilliant jurist, Mrs. Pillai. What we can do is to get the General Assembly, and particularly the Third Commission of the General Assembly, which is meeting presently here in the United Nations, to say we, in a great majority, because they are 192 members, like all the other commissions of the General Assembly, if that Third Commission made a resolution saying we consider that the Council on Human Rights and the High Commissioner for Human Rights must be allowed to play a greater role, and that they particularly should be more active in the field of Palestine and Israel, such a movement by a member state, why not Brazil, why not Mexico, could have a majority. And that majority, even in the days and months to come, could make an impact, because it is true that now the majority of member nations are not in the same position than Israel, United States, the Marshall Islands, and what was the fourth? I don't remember who voted. They are not in that position. There is a great majority for going the way we feel we must go. Thank you. Oui, en effet, j'abonderai même dans votre sens. Il faut être présent à l'Assemblée générale. Il faut être présent dans le comité qu'on ira voir demain. Mais je voudrais inviter toutes les organisations qui travaillent justement avec ce comité à venir à Genève aussi au Conseil des droits de l'homme. Ça a un autre impact, on le sait, on le paye parfois, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'ONG exclues du Conseil qui ont été suspendues, voire carrément éliminées, à qui on a retiré le statut depuis que le Conseil existe. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était un club un peu restreint. Aujourd'hui, les réunions du Conseil sont sur le webcast, comme nous aujourd'hui. Et ça, ça fait du mal. Ça fait du mal, mais ça fait du bien aux gens, parce qu'ils peuvent voir que leur question est soulevée. Malheureusement, les travaux du comité sont très importants, mais méconnus. Donc, j'invite vraiment toutes les ONG qui travaillent ici à New York de chercher les moyens de participer également aux sessions du Conseil. Je précise que même des organisations palestiniennes, encore la semaine dernière, on voulait faire une intervention, on a proposé une intervention, n'osent pas dire certaines choses à cause
notamment des sources de financement. Donc on respecte, mais on trouve que c'est dommage. Nous, on est indépendants, on peut dire ce qu'on pense. Et donc, on invite tous ceux qui travaillent sur la question à trouver les moyens pour participer également aux sessions, aux travaux du Conseil des droits de l'homme. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup.